les journaux du 13 et 14 juillet. Donc vraiment à réaction à chaud. Le temps de la préparation, et puis il y a le temps de la compétition. Et puis après, lorsqu'on a réalisé ce que nous souhaitions, parce qu'on le souhaitait, on a mis tout pour réussir, après la Coupe du Monde, elle appartient à toute la France. Hein. Tout le monde se souvient du 12 juillet 1998. Deux footballeurs et d'hommes, donc un petit... Ah, hein. Bien les gars, allez, vous avez... Il y a un sac et vous regardez là. Aujourd'hui de célébrer surtout dans son stade, mais en même temps avec ceux avec qui il a grandi, on va dire ainsi, où il a travaillé aussi en tant que fraiseur. On salue également la présence de Jean-Kf. Aujourd'hui c'est plus pour célébrer avec ceux qui sont ici, qui sont venus. Ils ont fait déjà plusieurs événements ici. En tout cas, c'est tout à fait normal. Et vous allez voir apparaître là aussi, encore une fois, d'être auprès du coach, puisqu'on fête aussi nos 20 ans. À celui qui est chez vous, monsieur Aimé.